Panne. Allô, allô. Ah si. Non, non, panne. Allô. Panne. Allô. Yes, ça repart, non. 1, 2, 1, 2. Ah, je crois que... Ouais, ça marche, mais on n'a plus de retour. Ouais, ça fonctionne, on n'a plus de retour, Patrice. Ça fonctionne. Mais on n'a plus de retour. Bon, alors, on n'a pas de retour, on va le faire sans retour, c'est pas grave. Attends, de toute façon, j'ai pas envie d'entendre ce que les autres me disent. Hop, attention au contact là avec Franck Lagorce. Et c'est Franck Lagorce qui attaque... Qui attaque Perlot. Perlot est coincé entre... Les deux électriques, ouais. Lagorce derrière. Ouais, et Panis Aurélien devant. C'est pas une bonne position, ça. C'est pas une bonne position, on a dû faire la plaisanterie, mais il est coincé entre deux prises électriques. Ouais. Et c'est jamais alors. Très agréable. Alors, le premier passage. Panis. Avec. Il s'envole un petit peu comme Aurélien Panis. Il s'envole. Aurélien. Et Franck Lagorce attaque. Il est toujours troisième. Ouais, mais il est attaqué par Dubourg. Hein. Ouais, il est attaqué par Dubourg. Qui va prendre l'intérieur peut-être. Ouais, Panis, attention, Dubourg va en contact avec Franck Lagorce à l'extérieur. Est-ce que ça va passer entre les deux? Boum. Ouais, petit contact, c'est peut-être Panis qui va en profiter. Oh, quel final. Panis le père. Le père. Ouais, Panis le père qui va peut-être en profiter. J'ai l'impression que il est passé, Olivier Panis. On va vous confirmer ça dans quelques instants. Alors, devant ouais. Panis, Pernod. Ouais, il est passé. Il est a doublé les deux. Olivier Panis immédiatement a trouvé l'ouverture. Ah, c'est du Méline Panis devant et au milieu. Hein, cette, ouais, finale. Et Franck Lagorce a peut-être perdu le podium. Attention. Franck Lagorce dépassé par Panis. Oh, tête à queue de Dubourg. Tête à queue de Dubourg, la faute. La catastrophe dans le plan de marche. Oh là là. Oh, c'est rare ça, c'est rare de voir une erreur de Dubourg. Il n'est que tout seul. Hein. Ouais. Il n'a pas été poussé. Il n'a pas été poussé. Ça va permettre à la course de se décompter, notamment à Franck Lagorce de revenir. Ouais, attention à Benjamin Rivière qui attaque Franck Lagorce, qui est en difficulté, Franck. Ouais. Franck qui sera beaucoup dépensé comme d'habitude, alors que devant c'est Olivier Panis qui a le Graal devant lui. Aurélien. Ouais, Aurélien, attention, il y a des morceaux de la capture sur la piste. Ouais. Et on est à deux tours d'une victoire électrique. Hein. Ah oui, à deux tours d'une victoire historique de l'électrique. Alors ouais. Qu'il doit trouver le temps long, l'ami Franck. Rivière, il passe. Ouais, Rivière, il passe. Rivière super. Est passé. Ouais, avec la pour Lagorce. Ah, qui va tout perdre. Hein. Ouais. Qui va perdre le podium, certainement. Oui. Ça, c'est une quasi-évidence. De toute façon, il est sur deux pattes et il va peut-être se faire attaquer par Prost. Exactement, oui. Nicolas Prost. Alors que tout va bien pour l'autre électrique d'Aurélien Panis. Hein. Oui, Aurélien Panis sur un nuage de poudreuse. Et ça va être la fin d'un week-end sensationnel. Enfin, la fin d'un week-end du premier jour de ce week-end. Sensationnel pour les Androscar et pour Aurélien Panis et pour la famille Panis. Oh là là, Olivier qui revient sur Pernod. Ouf, le passage d'Olivier Panis. Incroyable. Ah ouais, non mais ça, entre les deux Panis maintenant, c'est dur. Hein. Ah là, Pernod, il est vraiment coincé entre les deux Panis. Hein. Alors, Panis, Pernod, Panis, on va la refaire, mais c'est quand même l'apéro. Dernier tour. Il aimerait bien Olivier arriver juste derrière son fils. Olivier Perlot ne l'entend pas de cette oreille. Attaque de Panis à l'intérieur. Allez, la dernière chance. C'est beau. Hein. La dernière chance peut-être là dans l'épingle. Ah dommage qu'on ne voit pas l'épingle là. C'est beau, c'est magnifique. Ouais. C'est généreux. C'est jamais rien alors que Franck Lagorce a toutes les peines du monde à contenir. Attaque de Panis. Avec Perlot, il va passer. Il va passer sur oh, terrible. Ils sont portiers contre portiers. Pernod résiste. Pernod fait de la résistance. Ah, Olivier qui aurait voulu et qui veut aller chercher cette deuxième place. En tête à queue d'Olivier. Olivier Panis en tête à queue, il repart. Oh, le 360, victoire. Première victoire historique d'une Androspar électrique ici à Val Thorens. On s'en souviendra très longtemps. Incroyable.
incroyable, superbe victoire. Aurélien Panis qui en plus a le record du tour. Un match terrible derrière avec Jean-Baptiste Dubourg qui malheureusement est parti à la faute. Ouais. Et Olivier Panis qui a tout donné. Ouais. Mais Olivier Pernaud, impeccable. Oh ouais, fantastique Olivier Pernaud. Le seul de l'ancien monde à avoir résisté au nouveau monde. Et on va regarder le classement parce que la Gorze n'a pas marqué beaucoup de points, Dubourg non plus, Panis un peu plus. Ouais. On va faire une bonne opération, Olivier Panis. Pour les deux Panis. Ouais, ouais, ouais. Les deux Panis. Ouais. Regardez, on peut les applaudir, Olivier Panis. Quel match avec, avec Pernaud. Ah oui, oui, et puis il s'est pas dégonflé le petit Pernaud. Hein. Non, et la première historique. Rendez-vous compte, c'est sa première participation pour Aurélien Panis. Ouais. À une course du trophée Andros dans cette catégorie.